le savoir est mon devoir. Et moi aussi, la tarte, j'adore ça. Quand je dis je veux de la, tu dis tarte, je veux de la tarte. Je veux de la tarte. Quand je dis manger, tu dis tarte. Manger. Tarte. Manger. Tarte. Pomme ou rhubarbe. Pêche. Orange. Toutes les tartes, on les mange. J'aime la tarte. Oui, j'aime la tarte. Oui, on aime la tarte. Bien joué. Une bonne tarte. J'en veux une part. Eh oui, il va adorer mon cadeau. Déodorant. T'aimes toujours manger? Bah tu vas encore plus aimer ça, Mister Cher. Oh, ces trucs ont tellement meilleur goût dans un ventre d'humain. Eh ouais, c'est ce que je disais, Mister Cher. C'est trop bon! Si tu trouves ça bon, attends de goûter ceci. Écoute, une fois tous les 300 ans, tous les groupes d'aliments majeurs s'alignent dans le cosmos. Les tacos, les burgers, les hot dogs, les pizzas, ils ne font plus qu'un pour devenir... El Bourdigatos Suprême! Oh, mon ventre d'humain! Peut-être en avons-nous un petit peu trop fait. C'était quoi ça? C'est le Bourdigateau! Hey, Jean-Jean, tu peux venir une seconde? Et pourquoi? T'as besoin d'aide? Oh, mais pourquoi est-ce que t'as mis tes pieds là-dedans? Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi, d'accord? Ça, c'est de la tarte. Ouais, je vois que la tarte, c'est votre truc. Qui n'aime pas ça? Oh, elle est à quoi, la tienne? Oh, waouh, aux myrtilles. C'est dégoûtant. Du calme, je viens de me laver les mains. Moi, je viens de perdre l'appétit. C'est à l'œil de Mémémaé que l'on trouve les meilleures tartes de toute la ville. Je me demande quel est son secret. La rumeur dit qu'elle fait cuire des humains. Ah, bien sûr. J'en connais une qui lit un peu trop de livres. Non, je parie qu'elle y met simplement beaucoup d'amour. Il est temps d'aborder un sujet vraiment important. Mon joyeux anniversaire! Bon, alors, montrez-moi d'où vous partez. Vous appelez ça des ventres? Mais c'est honteux! Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ben, pour commencer... Pas toi, ton ventre. Oh! Je veux apprendre à manger comme il faut. Et vous, la bande d'abdos? On est prêt à relever le défi, monsieur. T'es prête à relever le défi, poupée? Ma pedaine ne parle toujours pas. Ah, tu vas avoir du boulot, ma petite. Bon, commençons par le début. Vos sourires de nonos, s'il vous plaît. Vous les mettez dans ce petit seau. C'est sérieux? Tu veux apprendre à manger ou pas? Tu les conserves dans de bonnes conditions d'hygiène, hein? Oui, je les ai mis dans le petit seau. Maintenant, on mange. Apprenons à manger.
Ces bedaines m'ont l'air bien à point. Vos sourires de nonos, mes amis, vous les avez bien mérités. Oh, non, ça va pas. Ça va. Robin, as-tu envisagé de manger moins de poissons? Oh, c'est noté. Oh, je meurs de faim. Tout à l'heure, j'ai laissé un grand paquet de chips au tofu sur la table. J'ai l'impression qu'on a été doublé. T'en fais pas, il nous reste toujours ce pot de... Merci pour le goûter. T'es le plus fort. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont remis le pot dans le frigo alors qu'il était complètement vide. Mais qui agit comme ça? Nous, apparemment. Bon, oublions le goûter, on va jouer à des jeux vidéo. Tu veux qu'on appelle un médecin, Robin? Il me donne l'impression de souffrir. Pizza! Je pensais que vous seriez plus excité. On n'a rien compris à ce que t'as dit. Ah, je vais vous commander une pizza. Oh, oh, eh ouais, pizza! Oh, oh, pizza! Pizza! Pizza, 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 pizza! Je préfère ça. Alors, les suppléments? Hawaïenne, une hawaïenne! Végétarienne! Au crème black mentholée! Avec des olives noires! Pepperoni! Silence! Ce que j'essayais de dire, c'est que je n'ai pas de quoi prendre des suppléments. Ce sera fromage. Alors, avant de commencer, je veux que tout le monde me promette que nous allons déguster cette pizza calmement. Je comprends rien à ce que tu dis, mon pote. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on mange une pizza, on finit par se taper dessus en courant dans tous les sens. Ça nous ressemble pas du tout. Un peu, quand même. La pizza réveille à la fois votre humour bête et votre humour absurde. Cette fois, je veux pas de ça. C'est compris? Robin, je crois que tu te méprends. Voyons, ce n'est qu'une pizza. Non, 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 ça y est, vous le faites. Vous courez dans tous les sens en faisant les fous. Ça suffit. Stop. Regardez ce que vous êtes devenus. À courir comme ça dans tous les sens, vous devez vous arrêter. Parce que je n'ai pas encore mangé ma part. Pizza, 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 pizza. Je suis une sorcière. Ouais. Commandez. Wow, ça c'était de la bonne pizza. Peut-être trop bonne. Est-il trop tôt pour la pizza du petit-déj? Il est trop tôt. Et aussi trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fuuuute. Miniso. Frère de ventre, 2 minutes plus tard. Qu'est-ce que c'est bon, mon frère? Ouais, ce monde sera extrêmement facile à conquérir. Mon pote, on a perdu le contrôle. Si on avait pris le temps de savourer nos repas, on serait pas dans cette situation. Il est temps d'apprendre à manger à ses ventres. Starfire, Raven, vous savez quoi faire.
Bien vu. Mais comment vont-ils savourer ces délicieuses douceurs sans leur sourire de nonos? Ils ont pris nos sourires de nonos. Comment on va faire pour savourer notre nourriture? Prenez les nôtres. Ah non, quoi? Tu manges rien d'autre que du poisson? Raven, donne à changer un ton sourire de nonos. Moi? Jamais, fais-le, Starfire. Ah, bon, d'accord. Oh, c'est tellement bon, oui. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils savourent leur nourriture. Quel monde! Oh! Eh bien, j'espère sincèrement que nous avons tous appris à bien savourer notre nourriture. Tu peux en être sûr, Robin. Merci, Robin. Encore une dernière chose. C'est le plus gros bidon qui commande! Vous êtes sérieux, là? Vous mangez comme des animaux. Ça fait du bien. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, toi encore, je comprends, mais vous deux, vous êtes vraiment dégoûtants. C'est vrai. Ah, désolé, mais Robin fait des sandwichs absolument géniaux. Ouais, je l'avoue, j'ai inventé un sandwich qui fera voyager votre bouche dans le royaume du goût. Le voyage au royaume du goût est le plus beau des voyages. Ah ouais, je suis prêt à ramper des kilomètres dans du verre brisé pour ce sandwich. Je traverserai le pays dans une voiture qui sent l'huile de cyborg pour ce sandwich. C'est un beau roman, c'est une belle histoire entre moi et ce sandwich. Oui, et je suis prêt à faire des trucs très difficiles pour ce sandwich, enfin je crois. Donc vous dites que vous quitteriez cette tour si je vous disais où trouver un bon sandwich? Bien sûr, mais ce doit être un sandwich de légende, comme le mien. Il existe un sandwich ancestral et puissant, caché de tous pour que le mal ne s'empare pas de sa puissance. D'accord, Primo, tu viens d'inventer cette histoire idiote. Deuxio, même si tu mens pas, mes sandwichs sont les meilleurs. Un point, c'est tout. Je ne raconte pas d'histoire. La preuve. Légendes anciennes. Oh, tu nous racontes une histoire? En des temps très reculés, un vieux roi fit venir son sorcier du sandwich et lui ordonna de créer un sandwich aux pouvoirs immenses. Le sorcier du sandwich œuvra 6 longs jours dans sa tour. Le 7e jour, il offrit le sandwich à son roi. Il était prodigieux. Il offrait au roi la vie éternelle ainsi qu'un pouvoir sans fin sur son royaume. Il avait un goût délicieux. Oh. Bien sûr. Un soir, le prince trahit son roi et tenta de voler le sandwich. Le vieux roi en eut le cœur brisé. Il comprit que le sandwich était dangereux et devait être détruit. Ses ingrédients furent dispersés aux quatre coins du monde et placés sous la protection de féroces gardes sandwich. La légende dit que le sandwich peut renaître si on parvient à réunir tous les ingrédients. Il nous faut ce sandwich. J'en rêve, je veux en manger deux. Ce sandwich sera magnifique dans mes cheveux. Il n'y a aucune chance pour qu'il surpasse mon sandwich. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Jeune titan, en avant! Ah, enfin. Il nous faut absolument les clés sucrées du lutin boule de gomme, sinon nous raterons l'anniversaire de la princesse Chanterelle. Raven, vous ne deviez pas faire un sandwich. Non, on sait pas par où commencer. Il y a 4 ingrédients. D'abord le bacon mystique sur le lac de lave. Moi, la chaleur, ça me fait pas peur. Je m'en occupe. Ensuite, trouver la laitue du roi, ensevelie au tréfonds de la terre. Oh, les trous, ça me connaît. Il vous faudra aussi la tomate céleste qui se cache dans les étoiles. Oh, tomate céleste, je viens de... Très bien, à moi de jouer. J'imagine que tu as réservé l'ingrédient le plus dangereux au chef des titans. Évidemment, le dernier ingrédient est un pain bretzel. Tu le trouveras à la supérette. Un coupon de réduction. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique scientifique, la consommation de légumes ne fait que vous apporter plus d'énergie. Oui, qu'y a-t-il, Cyborg? C'est quoi le problème de cette petite carotte violette? Ça, c'est du rutabaga. Ah oui, bien sûr. Et cette boule avec des feuilles, c'est une carotte verte.
Ça, c'est juste de la laitue. Et cette chose grumeleuse, c'est une carotte marron? Tu veux parler des patates? Vous savez que tous les légumes ne sont pas des carottes, n'est-ce pas? Alors c'est quoi ces trucs pointus et oranges? Ce sont des carottes. Non mais alors là, j'y comprends plus rien. Oh oui, ça fait beaucoup trop d'informations d'un coup à ingurgiter pour nous. Alors les légumes ne sont pas des aliments moches sans goût qu'on donne aux lapins? Pourquoi je devrais manger comme un lapin? Je suis pas un lapin. C'est vrai, les légumes ne donnent pas à ma bouche les mêmes saveurs délicieuses que m'apporte le goût de la viande. Vous croyez que les légumes, ça n'a pas de goût, hein? Pour Robin, un ragoût de carottes. Pour Starfire, des brocolis. Pour Raven, 3 boulettes de falafel et du houmous. Et pour toi, Cyborg, des épinards, mon pote. C'est vraiment délicieux. C'est absolument succulent. J'étais persuadé que ça avait un goût infect, mais ça a un goût d'enfer. Vive les légumes! Il y a une alerte! Les amis, vous êtes prêts à intervenir et à remporter la victoire grâce à notre régime végétarien? Bande de Jump City! Oh non! Les jeunes titans! En avant! Grâce aux épinards, je suis encore plus fort que jamais! Oh manger des carottes m'a donné une excellente vision! Et moi, je me suis jamais sentie aussi joyeuse. Bravo, vous avez vraiment été formidable. Et maintenant, faites-moi plaisir, veuillez soulever vos hauts costumes. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont vos abdominaux de végétarien. Nous voudrions une autre pizza. Je sais qu'on vient de nous en livrer deux. Bah bien sûr qu'on a de quoi les payer. Mais on n'aura pas à le faire parce qu'il est impossible que vous arriviez en moins de 30 minutes. Parfait. Tout ce que j'ai à faire, c'est activer le dôme de sécurité et le livreur ne pourra même pas s'approcher de la tour. Zippy Pizza? Mais comment il fait ça? C'est pas humain. C'est la guerre! La guerre des pizzas! La guerre des pizzas! Zippy Pizza? Je peux payer un tour de poney? Bonjour, Changelin. Tu veux qu'on te serve une poêlée de légumes? Ou alors une assiette de légumes frits coupés en rondelles? Ou alors tu veux un bol de légumes? Il n'y a pas de lait, j'ai mis que des légumes. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Vous êtes tous devenus verts. On est devenus végétariens. Mais les végétariens ne deviennent pas verts. Pourtant, toi, tu l'es. Oui, c'est vrai, mais c'est pour des raisons totalement différentes. Je trouve ça bien que vous mangiez plus sainement, mais dans la vie, il faut toujours faire les choses avec modération. Qu'est-ce que tu fais, Changelin? Tu n'as pas le droit de manger ça. Bah pourquoi? C'est qu'un fruit. Et les fruits sont une autre variété de la viande. Je suis pas sûre de moi, mais je crois pas que ce soit vrai. Ce que tu tiens dans ta main est-il bien un légume? Non. Il allait manger de la viande. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui maintenant? Nous devons le conduire à notre maître. C'est à lui de décider de son sort. Maître des légumes. Maître des légumes. Maître des légumes. Maître des légumes.
enfin, qu'est-ce que vous faites? Depuis qu'on a mangé notre premier plat, il a été une source d'inspiration pour nous. Qui ça, il? Oui, il. Si on ne profane pas notre corps et qu'on s'engage à ne manger que des légumes, il nous a promis qu'on irait tout droit au paradis dans son nouveau royaume végétal. Vous avez un comportement plus que... Du calme! Je te signale que je suis végétarien, mec! Les amis, vous allez quand même pas le laisser me massacrer! Mais tu n'as pas ta place dans ce nouveau royaume végétal! Écoutez, je trouve que la viande c'est dégoûtant, mais d'autres gens aiment ça, et j'y vois aucun mal! Tout ce qu'il vous faut, c'est un régime plus équilibré quand vous mangez! Son esprit a été empoisonné par la pomme à la viande! Ah, Cyborg! Mon pote, quelle heure il est? Je ne sais pas, je ne porte plus de montre. Ah, j'ai dit quelle heure il est! 6h et quelle? Non! Quelle heure il est? Oh! C'est l'heure du barbecue! Ah c'est l'heure du barbecue! Ah, cette fois, c'en est trop! Ah! Il nous reste une dernière option, frérot! Tu veux parler du bouton? Oui. Allons-y! Je vais le faire! Je vais pousser le bouton! On va aller en prison! Ah, vite, prends ton passeport! C'était ton idée! Ah, c'était ton idée, tu veux dire? Je me souviens parfaitement. Tu as dit que tu voulais de la pizza et j'ai dit que j'avais pas d'argent. Ah, faut que je cache des choses dans ma chambre! Quoi? Non! Ah, cours, vite, vite! Zippy pizza? Ah, ouf!